Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, pour ma part, ça va nickel, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR, votre nouvelle séance de relaxation. Alors je vous ai concocté ce soir, pour ce mardi soir, tout simplement, un petit gameplay sur Fortnite Battle Royale avec trois amis, enfin un ami et mon fils. Et j'ai été assez fier de moi durant ces deux games. Alors dans cette vidéo il y aura deux games où tout simplement on a rush les deux games. On a super bien joué, vous allez voir durant le gameplay. Alors là nous sommes dans le lobby et on se retrouve dès qu'on a spawn sur la map. A tout de suite. Alors là nous nous rendons à la gare. Alors la gare elle s'appelle Reckless, je sais plus trop quoi d'ailleurs. Et mon fils et même moi, c'est notre spawn préféré. Du coup, l'abonné en question, je pense qu'il sait qu'on spawn toujours à cet endroit. Parce que des fois lui il met le ping à cet endroit là. Et je trouve que la gare il y a assez de monde. Il y a le boss à battre. Bon, tu me diras, il y en a partout des boss à battre. Mais c'est vrai que le boss à la gare où on est actuellement, il est vraiment trop cheaté, il est vraiment trop compliqué à tuer. Et après, on a été tué, je crois, pour récupérer le médaillon. Parce que quand tu tues un boss, il y a le médaillon. Et je trouve ça ultra cheaté les médaillons, un peu moins qu'au début de la saison. Parce qu'au début de la saison, je me rappelle, quand t'avais un médaillon, ça te mettait du shield à 100%. Et là, avec la mise à jour, ils ont mis du shield à 50%, il me semble. Là, mon fils, il est en train de me mettre du pleuvage, il est en train de m'asperger de pleuvage sur moi. Là je crois que ouais, on a été tué le boss et je sais pas si l'abonné ou mon fils qui l'a tué, enfin de toute façon ça doit être un des deux. Et on a été dans le coffre, alors j'adore les fusils sniper comme je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos Fortnite. C'est ultra jouissif les snipers dans cette saison chapitre 5. Comment je m'étais headshot avec ce fusil de sniper sans que je jette des fleurs bien sûr, mais je suis trop à l'aise avec. Là on était dans le train et j'avais vu un mec et je crois que je le loupe, ouais je l'ai loupé, je crois que je l'ai tué de loin, ouais pas mal de distance. Il y avait un autre mec, je sais plus si c'est moi qui ai tué. Regardez, je mets à terre un headshot, enfin je sais pas si c'est un headshot mais je l'ai mis à terre. Bon, c'était un petit bot, hein. Il était mignon, tout mignon, mais fallait que je le tue. Ah bah non, c'est même pas moi qui l'a tué. Ah non, attends. Bah alors l'autre, c'est pas moi qui l'a tué, l'autre. Voilà, lui, c'est moi qui l'a tué. Bah si, c'est moi qui l'a tué. Bah du coup, j'ai trois kills, je sais même plus. Je regarde le gameplay, je sais même plus. Du coup, j'ai trois kills et nous avons 7 kills en tout. Alors il y en a un qui doit en avoir un et 3-3, ça fait 7, je sais compter, je suis fier de moi. Bon bien sûr cette partie elle était assez pourrie, on a 11 kills, je crois que c'est l'abonné qui a fait tout à ma place et à la place de mon fils. Mais j'ai préféré vous mettre ce gameplay avant la plus pourrie, avant la vraie game de tryhard, de malade. Bon, je passe ceci comme ça, mais c'est pas grave. Là, j'ai récupéré une couronne. Là, je voulais prendre le sniper violet. Et en plus, c'était ma lunette favorite. C'était ma lunette favorite. Moi, je n'aime pas trop les lunettes, les petites lunettes là. Sniper, je préfère les grandes, comme le barret et tout ça. Mais c'est vrai que le sniper, c'est vraiment un truc de malade. T'as pas besoin de décaler à droite, à gauche, à droite, en haut, en bas pour viser le mec. Tu mets le viseur sur le mec et il meurt instant. Après, ça dépend où tu vises, où tu mets la balle.
pense. Et je crois que je vais finir la partie avec 3 kills, me semble. Là, nous nous rapprochons de la fin de la fin de la game. Et là, nous sommes top 4, toujours avec 3 kills, avec 15 kills en tout. Alors, tu l'as vu dans le titre, hein, je mettrai le nombre de kills qu'on a fait en deux games. Et je crois qu'on est à plus de 40 kills. Ouais, on est plus à 40 kills en deux games. C'est plutôt pas mal, mais vous allez voir la game de malade après. Là, nous sommes top 4, mais je crois que c'était des bots. Ouais, je crois que c'était des bots, si je me rappelle bien sur la fin. Je crois que c'était caché en hauteur, il me semble. Et là, on était en train de les chercher, là, on était 3 contre 2. J'étais pensé qu'on a gagné, là, on a entendu tirer. Le mec, j'ai repéré de loin. Et il était juste là. Là, bon, j'ai mis un headshot, c'est magnifique. Bon, même si c'est un bot, au moins, j'ai mis le headshot en top 1. Allez, on se retrouve pour la deuxième game. Alors là, nous ne rendons pas à la guerre cette fois-ci, mais dans un autre endroit. Et vous allez voir cette game de ouf où on a fait 30 kills. On a fait des ravages, on a nettoyé la map. Alors là, mon abonné a voulu rejouer. Du coup, bah, mon fils était content de jouer avec moi et l'abonné. Comment dire? On a été spawn, enfin on a spawn à une autre ville que la guerre, je sais plus pourquoi d'ailleurs, pour changer un petit peu. Enfin, de toute façon, dans cette saison, enfin le premier chapitre, enfin le cinquième chapitre de la saison 1, j'ai pas vraiment de spawn favori, à part la guerre où je spawn tout le temps, mais sinon j'ai pas de spawn comme Rital Roi à l'époque. J'ai pas de spawn coup de cœur, quoi. Mais ça reste quand même la guerre. La guerre, j'aime bien, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde à tuer. Comme là, il y a un mec, je voulais le tuer avec le fusil à pompe. Mais mon chef, je n'ai pas le tué. Là, je l'ai tué au fusil d'assaut. Ça fait un kill, on a déjà 3 kills en tout. Alors, je ne sais pas si mon abonné en a eu deux. Je regarde pas trop les noms en bas. Et mon fusil en a peut-être un, je ne sais pas. Ou c'est peut-être mon abonné qui a 4 kills. Là, je lui ai dit qu'il me donne le sniper, mon fils, parce que je préfère prendre le sniper. Je sais mieux m'en servir que lui. Enfin, tu me diras, mon fils, il gère bien en sniper quand même. Une fois, on était avec un abonné. Enfin, avec le même abonné que je joue avec actuellement. Moi, même il te parle, je suis mort. Lui, on l'a one shot. Et mon fils, il a mis un shot à un mec au sniper. Mais après, il s'est fait tuer. Et du coup, c'était pas mal, cette partie. On allait faire top 1, on a fait top 7. Mais bon, après, mon fils, c'est pas un pro gamer, mais il se débrouille. Il se débrouille pas trop mal. Comme là, j'étais en train de farmer. Je sais pas pourquoi je farmais le plafond. Pourtant, il n'y avait pas de coffre. Là-bas, il y avait un, mais je sais pas si c'est moi qui le tue ou l'abonné. Là, j'ai mis 33 dans la bouche, 50 dans la tête, 50, et je mets à terre. J'avais un bon shoot là, j'ai mis 21 en pompe, et puis voilà. Après, je l'ai tué, j'ai spammé avec le fusil d'assaut, et je l'ai tué. Ça me fait 3 kills, et on a 6 kills en tout. Mais on a vraiment pas mal joué sur cette partie. Comme là, j'étais dans la voiture, on avait repéré un mec. Et bah, je l'ai tué tout simplement. Il était en train de farmer, je sais pas pourquoi. Mais avec des potes, on aurait dit sur cette partie, mais pas à la fin, vous allez voir. Et ça me fait 4 kills avec 9 kills au compteur. Là-bas, il y avait le train. Moi, le train, j'y vais jamais au train. C'est une perte de temps et j'y vais jamais. Du coup, mon fils, il attendait sagement dans la voiture de Rocket League. Moi, j'étais sur le toit de la voiture. C'est bien parce que maintenant, tu peux monter sur le toit sans tomber, ça qui est pas mal. Et du coup, on a été chercher des mecs, hein, comment on se faisait chier, comment on a entendu tirer. Alors là, j'ai vraiment. Là, si j'aurais pété un câble. Là, le mec, vous allez voir l'abonné, m'a
tout simplement à nettoyer la zone. Du coup, on a dit qu'il les avait être tout ce qu'il en touche, je crois. Là, j'ai mis un ping comme quoi il était là. Et mon abonné, il est vraiment fort. À chaque fois que je fais une game avec lui ou deux, on fait top 1 au moins une partie. Là, le mec, il était là-haut. Et je crois que c'est mon fils qui l'a tué. Attends, je vais voir. Ouais, c'est mon fils qui l'a tué. Et l'abonné en a tué un autre. Et ça fait tout ce qui est du coup mon fils. Je peux dire merci à mon fils et à mon abonné. Là, j'étais en train d'être par terre, en train de le laisser attendre comme un teubé. Et là, mon fils, il me donne un kit de soins. Il était gentil. Et du coup, bah, j'étais en train de me soigner sagement. Et nous sommes top 47 avec 4 kills. Mais j'ai fait plus de 4 kills, hein. Ne vous inquiétez pas. Là, là-bas, mon abonné, il a été mettre des pings. Là, je voulais le one-shot de loin, mais ça n'a pas marché. Toujours 4 kills, tout ce qui est au compteur. Là, vous allez voir, je vais mettre un je sais plus comment on appelle ça. Là, j'ai mis un 105 dans la bouche. Et en plus, il a été rouge, je ne l'ai pas tué. Si je l'ai tué, je crois pas, il était dans le blanc. Du coup, ça va me faire 5 kills, là, je crois. Là, il était là, 105. Là, je le tue. Ça me fait... Pardon, moi, je l'ai tué. Ça me fait 6 kills au compteur. Attendez que je regarde le gameplay. Alors là, ça fait 15 kills. Et après 15 kills en plus, et on a fait un top 1 tout simplement. Avec 30 kills au compteur, ça fait plus de 40. Là je crois que je le... Ouais, 105 de loin. Et je le mets KO. J'ai vraiment mis un headshot à un mec de loin. Vous voyez le sniper, il est vraiment super bien. Il est super jouissif à jouer. Il est... Y a rien à dire. J'aimerais bien que dans la prochaine saison, après le mois de mars, qu'ils laissent les snipers. Et j'ai remplacé le pompe tactique d'à l'époque par le pompe à tambour. Ouais, je l'ai dans mon inventaire, le pompe à tambour. Bon, eux se sont barrés, le pompe à tambour, j'adore le pompe à tambour. Je spam les mecs comme pas possible. Là, il y avait un pompe bleu, mais je l'ai pas vu. Là, je crois qu'on a explosé sa voiture, je sais plus. 7 kills avec 15 ou 16 kills en tout. Je vois pas bien comme mon gameplay les petits. Là on a entendu tirer dans le manoir et je crois que ça c'est le manoir du lion, il me semble, du tigre. Le poste du tigre, il me semble. Là on m'avait tiré dessus, bon ça c'était un bot. C'était clairement un bot. Là j'ai raté ma balle. J'étais en train de me mettre en hauteur, là j'ai mis un 105 et bah, après je le tue, je crois. Là j'avais un shoot de merde, désolé pour mon shoot, mais j'avais vraiment un shoot de merde. Et là j'étais en train de, ça va, je construis pas trop mal, hein. Moi j'aime bien mon niveau, comment je joue. Et j'ai combien de kills, parce que je vois pas, 8 kills. Là j'ai perdu de la vie bêtement. Là, mon fils, il a tué un autre mec. Bien joué à lui. Et là, on a entendu tirer mon abonné. Il était en train de le rusher parce que c'était obligé qu'on rush cette game. On avait 19 kills au compteur, alors fallait pas se louper. Là-bas, mon abonné, il en a tué un, il en a mis KO. Il a éliminé un mec. Comme vous voyez en bas. Et là il est en train de faire le nettoyage, mais grave. Moi j'ai 8 kills, non 9 ou 8 kills, 8 kills je crois. Là le mec, je lui mets un headshot. Enfin je sais pas si c'est vrai, c'était vraiment un headshot, mais je l'ai tué quand il était en train de sauter. Là j'étais en train de me barricader parce que j'avais pas toute ma vie bleue et ma vie verte. Ça fait 9 kills, 23 kills au compteur. Là-bas ça tirait comme d'habitude. On a été rejet les gens. Ah oui, on a fait que ça de rejet cette partie. Hein. Ah, cette partie, ça change de la première game que je vous ai montré. Et je crois que la partie va se terminer là, il me semble.
Attention, là-bas j'ai repéré des bornes et top 10. Top 10, top 10. Là-bas il y avait un mec. Alors le mec que j'ai tué, que je vais tuer dans quelques secondes. Je sais pas, il était perdu, j'en sais rien. Mais ça m'avait pas l'air d'être un pote. Hein. Mais je sais pas, il était perdu. Là le mec qui m'envoie en l'air. Et c'est lui qui était perdu, j'en sais rien ce qu'il faisait, mais j'ai 30 ans de spam, du coup il a plus beaucoup de vie, je l'ai tué, le school trooper en or. Enfin, school trooper en or. Là j'étais en train de me mettre du bluffage pour être à 50 quand même. J'ai 10 kills et je crois que je vais finir la partie avec 11 ou 12 kills. Il me semble. Là j'étais en train de recharger mes armes, mais c'est vrai que les armes sont un peu longues à recharger dans ce chapitre. Là, on était en train de chercher des mecs, voir où ça tirait, où ça tirait pas. Et on a 28 kills au compteur, c'est vraiment pas mal. Alors, dites-moi des commentaires, quel est votre record de kills, soit en trio, section, duo, combiné, ou soit en solo, combien de kills vous avez fait en une partie? Avec des vrais gens ou avec des potes? Enfin, les gamebots, ça compte pas, hein, mais avec des vrais gens. Combien vous avez fait de kills? Votre record de kills? Moi, j'ai pas vraiment de record de kills. Mon record de kills, ça doit être 15 à peu près. Même pas 14. Ouais, 13-14 à peu près. Mon record de kills. Et c'est là que la partie va se terminer. Lui, je lui mets un 105. Il tombe à terre. Et on a fait top 1. Du coup, je sais pas combien j'ai fait de kills. Du coup, j'ai pas le temps de voir. Attends, je sais pas si je le montre. Là, je compte truc comme un. Pas comme un ouf, en tout cas. Ouais, j'ai fait 11 kills et on a eu 30 kills en tout. J'ai fait une assistance et j'ai réanimé personne. Voilà, en espérant que cette vidéo de relaxation sur Fortnite vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit, parce que c'est super plaisir. N'hésitez pas à tout le temps dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos ASMR. Bonne nuit à tous.